Salut, zami mouen. Jodi a, nan numéro 557, nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, nous allons parler de la prière fervente, ou bien la prière agissante. Nous toujours dans livre Jacques, chapitre 5, dernière partie dans verset 16 là, dit nous, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est un très beau texte biblique. Et ou même qui besoin de succès dans la prière, qui besoin que prière ou gagne une très grande efficacité, nous invitons à réfléchir ensemble avec nous-mêmes autour de ce texte. Version créole l'a dit, l'ayon moun a vivre droit devant bon Dieu, la prière moun sa gagne en pile pouvoir. Bon, nous tous nous connaissons déjà l'importance de la prière dans la vie chrétienne. Et bon Dieu baille bon gens enseignement à travers les saintes écritures pour chrétiens pas fait corvée dans la prière. Ici, les gens ont parlé de la ferveur dans la prière, il pas parler de longueur prière. Jacques ne parle pas de la prière bouillante. Moun ka fait scandale les a prier ou bien employer yon ensemble de techniques qui pa gen rien de spirituel là-dedans yo et finalement cette prière devient une perte de temps. Youn nan premier bagay pour chrétien konnen c'est que la prière est un privilège. Yon grâce pour capable vivre dans le surnaturel pendant sous terre. Prier avec ferveur, c'est prier avec piété, avec dévotion, avec ardeur, avec enthousiasme et avec passion. La prière fervente est avant tout une prière qui glorifie Dieu. Yon prière côté moun kap intercède a effacer li totalement pour li laisser toute la place au Dieu créateur et bienfaiteur. La prière fervente nous met en communion intime et directe avec Dieu. Prière fervente lan chita sous réalisation promesse bon Dieu dans la vie moun kap intercède a. La prière fervente murmure Seigneur, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. C'est une prière côté corps, âme, l'esprit nous mettait ensemble pour rentrer dans l'intimité avec Dieu. L'esprit nous disposait, âme nous à vivre positivement cette expérience avec Dieu. Et notre corps prend la posture appropriée pour s'offrir un sacrifice à Dieu. La prière fervente est également une prière persévérante, une prière faite avec détermination. Persistance. La prière fervente est un combat. C'est pas un combat contre Dieu, non? Mais c'est un combat côté que ou mettons ensemble avec Dieu, ou attachés avec Dieu pour capable mieux comprendre et accomplir la volonté de Dieu. Et la dimension prière ça, le chrétien n'a pas de plan B. Son seul plan, c'est Dieu. D'ailleurs, il y approcher lui avec détermination auprès de Dieu pour le frapper. Pour le chercher, pour le demander, jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte. Dans le contexte, Jacques 5, verset 16, là, la prière fervente de la dans lui, premièrement, la confiance en Dieu. Deuxièmement, la confession. Si la ka prière, non seulement confesser, faute li, péché li, devant la face de Dieu, mais également lui confesser le pardon reçu de Dieu. La guérison reçue de Dieu, la toute puissance de Dieu pour agir puissamment dans sa vie. La prière fervente est une prière faite dans une ambiance de communion fraternelle, d'amour du prochain. La prière fervente n'est pas une prière égoïste. Jacques mandait pour prier les uns pour les autres. Jacques mandait pour prier pour la guérison spirituelle de toute la communauté. La prière fervente, c'est une prière qui gagne onction là-dedans. Une prière qui gagne bénédiction. Une prière qui bail chrétien un booster sur le chemin de la prospérité. Et Jacques assurez-nous, les nous prier comme ça, notre prière aura une grande efficacité. Qu'on y a zami moins, bon Dieu voulait ou entrer dans une nouvelle dimension de la prière. Une dimension où votre prière aura une grande efficacité. Bon, la demande est simplement pour faire un inventaire de votre vie de prière jusqu'ici. Et deuxièmement, faire même Jacques disciple dans Matthieu chapitre 6.
l'ouvriquez et demandez à Dieu de vous enseigner à prier. Et troisièmement, commencez dès aujourd'hui une vie de prière fervente. Ainsi soit-il pour vous. Kembe contact ensemble avec nos amis moins pour notre plus prochain numéro. Merci parce que t'as attendu nous.